Donc, c'est même pas ça en fait, c'est même pas d'écarter les genoux, mais c'est en plus de faire un angle. De ouf ici. Oula. Ouais. Petite crampe ici du coup. La douleur. Mais j'ai fait avec. Par contre, le problème que j'avais, c'est qu'au bout de 5 minutes, je vois quelque chose qui bouge dans mon casque. Mais je me dis, c'est bizarre, il est fermé, tout ça, il n'y a pas de problème. Merci pour les bits, je peux pas expliquer mon histoire. Et il y a un truc qui me gratte aussi, c'est bizarre, c'est bizarre. Et là, le chat, je vois une araignée, ici, au bout d'un moment, qui se met à chiller pendant que je fais ma montée en troisième. Elle bicrave dans mon casque, l'araignée. Je pense pas avoir besoin de beaucoup d'initiatives. Je vais mettre un Bulbizou, on verra bien. D'accord, ça marche. 29% raise. Sais pas si je mets un vie instant. Il va m'infecter en fait, ça le problème. Merci Sylve pour le sub. Normalement, il met ses invoques à deux cases, je les connais par cœur. Je les connais par cœur. Il met son invoque à deux cases et il s'avance, il se décale. Oh putain. Il est intelligent. Il est intelligent. Ah, il va bloquer mon comploteur, ok, gonflable. Trop bien ça. Ok, on va se mettre là. On va dire bonjour. Moins 800. Moins 520. Ça, on se met bien. D'accord. Je pensais qu'il allait mettre un arbre, l'arme et se mettre dans le coin pour que sa gonflable le soigne plus, mais... Non. Non, il fait des trucs un peu bizarres. 2 PM. C'est pas beaucoup. Bon, je pense qu'on tape tout droit et on le tue. Hein. J'étais en train d'imaginer un petit réseau de pièges, mais non. Ça sert à rien. Salut Kill, non non. Ah du coup je vous ai demandé mais j'ai pas regardé les réponses, pardon. Je cherchais l'autre jour comment faire une bonne action sans dépenser 1 € de plus avec les achats que j'ai prévu de faire ce mois-ci. J'ai pas trouvé pour moi, mais bonne nouvelle, j'ai trouvé un moyen pour vous de le faire. Donc vous passez par mon lien Amazon, ok, en description, ça vous redirige vers une souris Logitech, mais même si vous n'avez pas besoin de souris, vous achetez par exemple une perceuse derrière, je récupère 2% du prix de la perceuse. C'est pas un truc de fou? Vous allez en percer des murs. Et puis moi, bah, si vous êtes 1000 à acheter une perceuse, je récupère peut-être 600 €. Ah, ça dépend du prix de la perceuse. Prenez une bonne perceuse. Sans le côté histoire. Alors, c'est la première fois que je fais cette course. Enfin, depuis que j'ai repris, parce que j'ai fini le jeu. Hein. Ça a pas l'air trop dur. Colis, colis, colis.
Putain, mais il est sur des rails, le mec devant, oh! Non mais c'est bon, le mec connaît le virage par cœur. Contre un crat. Ok. Donc c'est quoi, c'est les ban bots? Le système vous prend pour un bot? Bon, ok, en face c'est des bots, mais ils sont vraiment chauds. Hein. Bon, bref. Allez, hop. Enfin, c'est les ordis, mais... C'est parce qu'il n'y a pas internet. Je sais pas, quand je m'inscris en ligne, il n'y a personne. Je comprends pas. J'ai pris un abonnement pour rien. Alors, tac. 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 On va le bloquer, on va le bloquer un petit peu. Mais il tacle pas du tout. Pourquoi tu joues R? Il joue pas du tout R. Comment ça, il y a de la fuite? T'as de la fuite? Ah, comment t'as de la fuite sur un mode qui n'est pas R? Réfléchis, c'est dû à quoi, Uze? T'as pas de tacle? Bah si, t'as 68 de tacle, c'est énorme! Le mec a 120 de fuite? C'est pas possible. C'est pas possible. Il a 140 de fuite et il est pas R. Et tout le monde trouve ça normal. Il a 50 de tacle, il est pas R. Toi, je vais regarder ton stuff à la fin. Il est multi. Dac, dac, dac. C'est quoi, c'est la chaleur qui donne de la fuite? Flamiche, putain, j'ai pas la flamiche, c'est une blague. C'est la dernière fois que je vous fais confiance sur ce coup. HP. Ah mais c'est, oui, c'est le Dofus Ben qui donne un petit peu de fuite, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. L'écran garde son staff. Non mais il a vraiment un stuff bizarre, je vais vous montrer ça. En fait il est en triple salva. Bah c'est un stuff multi. Non il est pas mauvais ce stuff, il est pas mauvais, il est juste... Enfin un peu bizarre quand même. C'est pas habituel on va dire. C'est un stuff tira avec beaucoup de fuite. Ok. Bon allez, hop, on se concentre contre un sacré. On joue one shot ou pas? One shot, ça me tente bien, ouais. Oh putain. Ah ça va. Pritech, mais il a pas énormément de raise. Cam main. Réajustement de la cam main. Bon, alors... Deux ondes, je suis un petit peu perdu dans mes raccourcis. Tac, tac, tac. Ouais, j'aurais pu défoncer j'aurais pu défoncer l'épée, en fait, au lieu de taper mon comploteur. C'est con. Il joue quoi, lui? Il joue terre? Ils jouent tous terre en ce moment. La Pritech gâche tout mes 1v1 ce soir, on est KO 189, c'est ouf. Oui, mais normalement, elle va se faire bientôt nerf, ça se voit que c'est une merde. Non, elle va pas se faire nerf, le chat. C'est pas prévu, en tout cas. Je préfère être honnête avec vous. Ah ouais ça, je vais me concentrer sur mon colis. C'est pour quoi encore? C'est pour des subs? Merci Julien. Merci beaucoup. Et Preda qui prend son sub aussi. 11e mois pour Julien et 32 pour Preda. Alors, 4000. Il va avoir 4... Ah ouais, il y a une iridescente en plus. Oh, putain. Bon, je vais le tenter, mais je vais le tenter, le chat. Il y a un ivoire. Je vais le tenter, ok, je vais le tenter.
Ok, j'ai fait deux crits. On va commencer par ça, et ensuite la perfidie! Ça surprend toujours, hein.